Comme beaucoup de festivals, c'est né un peu d'une sorte d'improvisation. C'est Louis Menevrier, le président, donc, qui est natif du village de Bourg-sur-Gironde, pour des études, a voulu monter une sorte de projet culturel. Il se trouve que c'était un projet un peu fictif au début pour avoir un diplôme. Et ce projet est devenu réel. On a appelé les François Tespontaines qui sont venus gentiment jouer pour nous. Et on a fait 450, 500 personnes, donc ça a créé une sorte de petite dynamique. Et en fait, on est tombé amoureux du village, on a voulu continuer, et là, on a la 6e édition. Les premières années, on n'avait qu'un seul jour, avec une toute petite jauge, une scène vraiment toute petite, sans toit, donc s'il pleuvait, on devait annuler, sans moyens, quasiment pas de sécurité, etc. La deuxième année, on a eu la chance d'avoir le groupe Fauve, qui à l'époque a cartonné. Donc on a eu beaucoup de chance là-dessus. On dit qu'on a du flair, mais il y a aussi beaucoup de chance. Grâce à ça, ça a fait monter le festival, surtout à Bordeaux, parce que voilà, on était quand même un très très local. Et on est passé après à 3 jours, à 4 jours. La 5e édition, on a fait 5 jours, avec plein de petits événements à droite à gauche et une grosse soirée dans le parc de la Citadelle. 2017, on a voulu changer de format du fait qu'on évolue, on grandit, on a envie de faire une prestation de spectacle plus professionnelle, qui reste toujours bon enfant et très familial et très, très à la cool, comme on dit. Mais voilà, on a fait deux grosses journées avec une jauge à 1500 personnes. Les autres années, on était plus à 1000 personnes maximum. Donc voilà, on a plus de monde, on a deux grosses journées, on a une nouvelle scène aussi qui s'est implantée. Donc voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais pour nous, c'est déjà très gros. On ne voulait pas faire un festival de Parisiens bordelais qui s'incruste dans un petit village de province. Nous, on est amoureux de Bourg-sur-Gironde. On connaît tous les commerçants, on connaît les gens qui sont et qui habitent ici. On a une volonté en fait de montrer le patrimoine du village, parce que le village est très très beau. Les vignobles, le patrimoine historique, architectural, il y a beaucoup de richesses. Il y a aussi le fleuve, il y a plein de lieux à exploiter. On a même des îlots, des petits parcs, des étangs, une église aussi. Donc voilà, nous on est ouvert à tout ça. Bon, c'est jamais évident parce que c'est fatigant de faire 10 lieux différents, mais notre volonté c'est de ne pas faire juste un concert. Chaque année c'est une aventure. Nous, le Festival Vie Sauvage, il va évoluer forcément. On ne veut pas que ça grandisse en jauge. La jauge nous correspond vraiment. Le site n'est pas extensible. Il est beau comme ça, donc on veut le garder. Nous, on imagine plus peut-être développer une deuxième scène plus grosse, la scénographie encore plus développée. Mais voilà, on verra comment ça se passe. Nous, cette édition, on est ravis. On prendra des décisions très bientôt sur la prochaine édition. Standing on a city street corner, everybody says he's a loner. He's passing a hat and singing a song about a one-way ticket to Tahiti.